Bonjour. Je vous connais. Mais si. Vous avez vos papiers? Est-ce que vous avez vos papiers? Ouais. Ouvrez ce sac là. Vous allez avoir des ennuis ou hein? Moi ça me paraît louche. Vous allez avoir ça des ennuis. Ouais. T'es qui toi? Ah je sais pas. C'est quoi ça? Léo. Let's go. It's a good job. Good job, man. Questa te ne buona, buona pullone. Bon, ils veulent retarder apparemment. Mais non, mais tu me le dis, moi je te prends en photo. Comment ça marche ton truc? Montre-moi. Appuie. Juste tu appuyer. Regardes, tu regardes. Ah, c'est dedans qu'il faut regarder. Ouais. Quand t'es cadré, ouais, t'auras un carré rouge. Je sais pas si tu vois. Attends, regarde. De quoi? Je me fume le drogue, moi. Ils sont là, ils sont là. Ah, là, il faut que je me fume le drogue. Mais nous, on se drogue un peu. Ouais, mais t'as bien raison. Là c'est en train de rentrer là, tout ça. Qui gère un pâté Marseille et la maison sud. Il est là le directeur, parfum de coureur digne. Attends. Allez. Vous avez raison, non mais gardez-moi un peu, je fume. Bravo. Je vous dirai court. Eh ben on a l'air mal encore. Je viens de saisir l'opportunité de rencontrer Danny Boone pour lui remettre une enveloppe avec mes films et avec aussi une idée d'un scénario qui pourrait être la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, fait entre un Ch'ti et un méridional. On ne sait jamais. Je lui ai demandé de jeter un coup d'œil entre Narbonne et Béziers, oui, bien sûr. Là, c'est l'enveloppe. Mais je vous en prie. Allez, on rentre. C'est le culte. Merci. Mais t'as vu, là, je voulais choper le garage. Je voulais choper. Encore 60 jours sans gouvernement, il en aura battu la gueule. Le Covid. L'Irak. Moi, je suis un peu fatigué. Mais l'Irak, c'est eux qui détiennent le truc sans gouvernement et on va les battre. Pour le groupe CGR, ensemble, d'accord. J'aimerais tourner juste un petit truc qui passera en fait dans l'ensemble des groupes des salles, d'accord, pour faire la promotion de votre film, c'est-à-dire à partir de demain, d'accord, vous allez tourner avec l'équipe. Ah, ça va partir. Tu vas pas dire ça à moi, tu vas dire ça à Dani. Oui, je sais. Je fais ce que vous voulez, moi. Comment? Mais je vous en prie. Mais je vous en prie. Comment ça se fait? Vous voulez dire qu'il a dit par solidarité, il va se raser les poils des couilles? Contre vous, contre moi, pas. C'est sur sa Facebook, c'est sur. Ah, c'est un flamand? C'est un flamand. Non, 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 c'est juste. Donc il a envie de se raser les poils de couilles contre la barbe.
Voilà, c'est Zinedine Souaim. Zinedine Souaim. C'est Laurent Diablon. Et quand Zanny m'a appelé pour me proposer quelque chose, il m'a dit il y a un personnage de gros con. Et tu vas être très très bien. Par contre, il y a plus con que moi encore avec moi dans le film, c'est Bruno Lechet qui n'est pas là. Vous allez voir tout à l'heure, on est une espèce de confrérie des cons à trois et je crois qu'on s'en tient plus à parler. Bien. Alors, merci. Alors, et donc, Benoît, pourquoi ce film? Il m'a proposé un rôle, vous allez voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros en vie, je suis quand même pas en reste dans la connerie, et donc pourquoi avoir accepté un si gros con? Eh bien parce que je présentais certaines aptitudes, voilà. Et une autre question, je dis, c'est, qu'est-ce que ça fait de tourner avec toi, comme ça? Qu'est-ce que ça fait de tourner avec vous? Ben, c'est une chance inouïe, c'est... on se marre. Et puis vous êtes tous des amours, vous prenez soin de moi, c'est un vrai régal. Franchement, les filles, vous pouvez être jalouses. C'est vrai que c'est rare, les filles, vous ne rentrez pas, tu dis à ta femme, putain, il y a Sophie Marceau toute la journée, dans mon pull, on ne veut plus. J'ai encore couché cet après-midi, t'es pas pour crever mon amour, je suis mort. Voilà. T'as des questions sur le film que vous avez vu? Oui, alors, ma réponse est non. Et voilà, non. Marie. Non, c'est pas une question de quantité, absolument pas. J'étais très libre, je suis très content d'avoir fait Bienvenue chez les Ch'tis et 20 millions et 7 millions à l'étranger, donc 27 millions d'entrées. Mais ça a battu un record qui avait 40 ans, donc Adam 40 ans, et avec un autre. Et, mais en, moi, c'est plutôt comment les gens sortent du film, plutôt que combien y arrivent. Merci. Comment va, madame? Êtes-vous content de l'accueil du midi? Bah, et c'est là que je réponds, oh non, à chier. C'est le plus ordinaire, il sourit. Vous êtes douanière? Vous êtes ch'ti, belge et douanière? Et blonde? Il y a plus français. Pourquoi c'est pas bon? Caroline qui est douanière, donc vous voyez, si vous voulez, vous pouvez pas banaliser. Tous en train de fumer un pétard, donc vous pouvez pas banaliser. Regardez la tête de Caron. Oui, tu te sais. C'est ça, t'as fait, regarde. Zinedine est mort de rire. L'ambiance à Narbonne. Il y a combien de ch'tis dans la salle? On est partout. Biloute 2. Le retour de la biloute. De cette équipe. Elle est formidable. Voilà, elle est. Vous allez voir, elle est très très. Non, c'est sa première fois qu'elle joue au cinéma et c'est son premier rôle. Elle est de Bruxelles, elle a été choisie sur casting. Et donc voilà, première fois qu'elle joue dans un film, c'est donc une rétrospective de toute sa carrière ce soir.
c'est Julie Bernard. Et c'est Zinedine sur les lèvres. Tu vends aussi une Renault Fuego. C'est vrai. De 84. Exactement. Et il y a juste les jantes, il manque juste les jantes, les deux jantes. C'est impeccable. C'est impeccable. À part deux jantes, mais on peut, je pense qu'on peut les trouver dans la région Auvergne. Et c'est le meilleur sujet du micro. J'en arrive au plus grand des acteurs wallons. Depuis que la Belgique a disparu, nous l'avons recueilli en notre sein. Il fait à merveille ce gros con. On a très peu répété. Il joue très spontanément. Et voilà, c'est un acteur absolument merveilleux, doublé d'une grande humanité. Ok. Ouais. Non, c'est le très grand Benoît Boulevard. À 1m70, tout en muscle, tout en force, tout en ligne, tout en souplesse. Il est beau, il est grand, il est gentil, il est très généreux. Je vous demande d'applaudir celui sans qui nous ne serions pas là ce soir, Danny Moon. Des questions sur ce film que vous n'avez pas vu? Pose ta question. Ta question. C'est quoi ta question? C'est le peu du pas. Ouais. Oh oui. Mais après, une fois dans la bouche, c'est beaucoup moins fort. C'est vrai? C'est la laine après qui perdure. Non, c'est très bon le marron. Bon. Je vous dis, même, maintenant il y en a dans les avions. Oui, je trempe dans le café. Ouais. Je trempe le quoi? Bah, fais pas ses grands yeux dégoûtés. Alors, on va remercier toute l'équipe comme il se doit, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Le Madame Camille est extraordinaire à respecter. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que Narval se mette totalement de vous pour douanier francophone, c'est quand même grave. Donc c'est le cas. Parce que là, j'ai francophone et il est obligé de travailler avec un français. Donc ça va pas bien se passer. Vous y faites pas de cadeau. Non, mon personnage n'a pas de cadeau. Alors sinon, la soin de toi, il est... Je te prends une photo, là. Ouais. Non. Je roule pas l'air. Merci à vous. Non, avec les deux gendarmes juste là. Allez, l'équipe là-haut.